Qui a commencé? Qui a bombardé le premier? Alors là, tout le monde vous dit, c'est Poutine, c'est le 24 février, quelle question idiote. Et donc, là, je dis, ben non, ça a commencé 8 ans plus tôt et c'est l'autre camp qui bombardait. Ah tiens, je ne le savais pas. Pourquoi les médias ne vous disaient pas que l'autre camp, les gentils, les bons, massacraient et ont tué à Donetsk, il y a, ça s'appelle l'Allée des Anges, et vous avez des photos bouleversantes de tous des enfants en bas âge qui ont été tués par les troupes de Kiev. Pourquoi est-ce que sur Facebook, il était interdit de parler d'Azov jusqu'au 23 février parce que c'était affiché comme des nazis sur base de sources des États-Unis, le FBI et toutes sortes d'autorités de ce genre qui disaient Azov, Azov nazi? Et pourquoi le 24 février, Azov n'est plus nazi et on peut en parler et c'est magnifique? Ce que Poutine a fait, c'est peut-être pas excellent, mais il faut qu'on indique qu'est-ce qu'il devait faire parce que ça fait des années qu'il demande à négocier, ça fait des années qu'on lui rit au nez. On a toujours dit Poutine a excité les gens du Donbass pour déclarer leur indépendance. C'est faux. Ils se faisaient taper dessus. Ils ont demandé à la Russie, on veut aller chez vous. Et Poutine a dit non, vous restez là. Okay? C'est exactement le contraire. Imaginez maintenant que Poutine ou Xi Jinping ou je ne sais pas qui place des bombes atomiques à Montréal, à Mexico et à La Havane. Que font les États-Unis? Ils sourient et ils disent oui, c'est la démocratie, mais vous allez voir que ça va chauffer. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait. Ils avaient promis solennellement en 89, James Baker à Gorbatchev, Kohl et Genscher aussi au ministre correspondant, ils avaient dit l'OTAN n'avancera pas d'un mètre. Depuis lors, ils ont ramassé 14 pays et ils sont arrivés à 9 minutes de leur missile de Moscou et ils veulent aller encore plus près. Donc les États-Unis n'accepteraient pas ça. Et même aux États-Unis, il y a plein de gens qui disent il faut un accord, il faut baisser la menace nucléaire, il faut respecter ça. Et c'est un jeu extrêmement dangereux que qu'on est en train de jouer.